our second theme of the day, and that's looking at kind of the innovation of low season events across a region, helping to promote that region. Well, for some people, a winter escape means escape from the winter itself. But for others like me, a winter escape actually means visiting a region or a destination in the winter during that low season. And for that growing group of visitors, having events and activities to book and to experience are often the very reason why we visit a place in the first place. Low season shouldn't be a barrier or even a hurdle for businesses or destinations. It's all about shifting that challenge, which is often masked as a golden opportunity, an opportunity to widen the target demographics of a regular visitor. When organisations develop new events and activities in what's known as the low season from October through to March, they benefit from a number of things, including opening up those brand new target markets, which we've been hearing about already this morning. Appealing to brand new markets generally as well, expanding their season actually makes them operate all year round. They're running their businesses throughout the year, and they appeal to small groups and visitors with additional physical, sensory, and cognitive requirements, who often tend to travel in the low season when it's a little bit more quieter. And of course, it's helping the resilience of local nature and natural and communal cultural assets as well. Now, these are just some of the benefits for the businesses and destinations, but also the local economy and the local communities really do benefit. We're now going to hear from some more of the projects, including Sophie from Cundum Amor, a destination with new autumn and winter experiences, including ice swimming. Yes, you heard it here, ice swimming. She's going to be joined by her guests as well about hidden secrets in a family chateau. And then we're going to be brightening up this winter's morning as we head back to Norfolk and hear about the Love Light Norwich Festival, which takes place in February. And we're going to be joined by Fiona Roberts to hear all about that. But first, let's rejoin Marie-Sophie in the Compiègne to hear about the new autumn experiences, including a forest festival. Marie. Bonjour, en fait nous sommes nombreux chez PP6, donc je suis Laurence Francard, chef de projet sur expérience. Je voulais simplement donc effectivement prendre la parole deux secondes pour vous saluer tous et toutes et passer la parole donc à monsieur Jean-Pierre Leboeuf qui est maire du village forestier de Saint-Jean-en-Bois qui a une magnifique abbatiale en cœur de forêt de Manuel de Compiègne et qui est également vice-président de l'agglomération à l'agent de Compiègne en charge du tourisme. Qui va nous parler du projet expérience sur notre territoire et les actions mises en œuvre. Voilà, je passe la parole à Monsieur Leboeuf. Merci Laurence, bonjour Chris, bonjour à tous. Donc en 2018, l'agglomération de région de Compiègne s'est associée à l'Office national des forêts, l'unité territoriale de Picardie, pour élaborer une candidature au projet expérience. Ce projet constituait et constitue une formidable opportunité de capitaliser notamment sur les atouts de notre exceptionnel patrimoine forestier. La forêt. On nous dit que c'est inaudible. Excusez-moi, on nous dit que c'est inaudible. Je ne comprends pas parce que. Hello, it's better. Ok. C'est bon, c'est bon. Ok. On va bouger. Donc, je reprends alors. Hein, donc, en 2018, hein, l'agglomération de la région de Compiègne s'est associée à l'Office national des forêts, unité territoriale de Picardie, pour élaborer une candidature au projet expérience. Ce projet constituait et constitue une formidable opportunité de capitaliser notamment sur les atouts de notre exceptionnel patrimoine forestier, la forêt domaniale de Compiègne,
pour développer de nouvelles offres touristiques axées sur la relaxation, le bien-être et la reconnexion, en cohérence avec la démarche stratégique du Comité régional du tourisme des Hauts-de-France. Outre l'enrichissement et le partage d'expériences entre partenaires franco-anglais, ce projet transfrontalier est un vecteur de fédération des acteurs, tant privés que publics, à l'échelle de notre destination. Transversalité des services de la collectivité, montée en compétences des partenaires, réflexion, concertation, communication, promotion sont les maîtres mots d'expérience. Grâce à ce projet, l'agglomération de la région de Compiègne a pu mettre en œuvre des stations structurantes telles que la création d'un site d'immersion historique multimédia et d'un parcours d'itinérance pour mener les visiteurs en famille ou entre amis à la découverte des sites emblématiques de notre destination. L'aménagement du site Saint-Pierre-en-Chartres et la création d'une orangerie pour accueillir des concerts et activités en basse saison, notamment les bains de forêt musicaux. La mise en ligne d'un nouveau site Internet, dont vous a parlé plus tôt Marie-Sophie, la mise en place d'indicateurs et l'étude des impacts environnementaux, la concertation avec les résidents sur leurs attentes, leur perception du tourisme sur notre territoire, sans oublier toutes les nouvelles offres mises en place en collaboration étroite avec les acteurs traditionnels et non traditionnels. L'impériale visite guindée, valorisant notamment le berceau de l'impératrice, la sophrologie équine et des balades thématiques à cheval Elson, les cours de yoga dans des sites exceptionnels, des ventes éphémères à l'Office de tourisme de Compiègne pour la mise en valeur des artisans, des artistes locaux. Et j'en passe. Je souhaite à l'ensemble des partenaires, participants et auditeurs, une excellente journée riche en échanges et partage d'expériences. Et je remercie au nom de l'ARC, le chef de file de comté de Norfolk, qui a brillamment orchestré le projet avec toute son équipe au cours de ces 4 années. Je passe maintenant la parole à Marie-Sophie qui va vous présenter l'événement Vive la forêt en automne qui s'est tenu le 15 et 16 octobre 2022. Merci à tous. Merci, Monsieur Lebeuf. Du coup, je reprends la parole. Est-ce que pour les interprètes, vous m'entendez? Bon, on va dire que c'est bon. Alors, du coup, on va rapidement aussi, encore une fois, remettre en contexte du coup la destination touristique de Compiègne. Donc, Compiègne, c'est... C'est une forêt emblématique avec énormément d'activités à faire, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. On peut passer du coup à la slide suivante. C'est aussi un patrimoine, un énorme patrimoine, issu de 12 siècles d'histoire depuis la fondation de Compiègne par Charles Chauve. On peut passer à la slide suivante. Et des événements très emblématiques, donc le Festival des forêts qui vous sera présenté plus en détail par Alexandra Le Tup qui est avec nous tout à l'heure, l'Imaginarium Festival que j'ai pu aborder également tout à l'heure, les Masters de Feu et le départ de la course cycliste Paris-Roubaix, donc qui part de Compiègne tous les ans en Hauts-de-France. C'est une institution dans notre région. Et on peut passer à la slide suivante. Alors, rapidement, donc, les grosses zones, donc rappelons tout de même que la métropole du Grand Paris, c'est 7 millions d'habitants. La métropole européenne de Lille, 1 million d'habitants. Et nous avons également l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle qui accueille 1,6 million d'habitants, de voyageurs pardon, par jour. On peut passer à la slide suivante. Donc, pourquoi avoir créé cet événement? Donc, rapidement,
Dans notre candidature d'expérience, il fallait qu'on fasse notre événement de support. Pourquoi en automne, puisque la météo est encore clémente et c'est tout de même la meilleure des saisons pour mettre en avant la forêt. Le moment idéal aussi d'inscrire Compiègne comme une destination hors saison. Il y a déjà beaucoup d'expériences possibles à vivre en automne et l'idée était de les condenser en un événement comme une vitrine, en fait. Et enfin, l'événementiel, c'est aussi un moyen ludique de promouvoir nos acteurs touristiques. Donc, on peut poursuivre à la slide suivante. Donc cet événement s'est déroulé sur 3 sites en simultané. Donc le stade équestre qui est à l'intérieur de Compiègne, dans proche centre-ville, les étangs de Saint-Pierre sur la commune de Vieux-Moulins et le prieuré de Saint-Pierre-en-Châtre, également sur la commune de Vieux-Moulins. Et c'est en fait des ruines qui sont au plein cœur de la forêt. Donc les dates au cœur de l'automne, et les activités ont été pensées pour que les visiteurs repartent avec le souvenir d'avoir été acteurs de leur journée. Donc il y avait tout aussi bien des animations pour les familles que pour les adultes. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc au stade équestre du Grand Parc, donc là je vais mettre en lumière une activité par site. Donc par exemple, attardons-nous sur l'atelier avec des plantes sauvages. Donc on avait une animatrice qui cuisinait les plantes trouvées en forêt. Et donc l'atelier se décomposait en deux temps. D'une part l'explication des vertus des plantes et d'autre part l'atelier en lui-même pour les cuisiner. On peut passer à la slide suivante. Donc, aux étangs de Saint-Pierre, des ateliers autour de la sensibilisation de la biodiversité et avec, par exemple, l'atelier sensoriel à la découverte des arbres. Donc là, l'idée était de faire une marche sensorielle pieds nus et avec les yeux bandés. Privés du sens de la vue, les autres sens prennent le dessus pour engranger les bienfaits de la forêt. Et on peut passer à la slide suivante. Et au prieuré de Saint-Pierre-en-Châtre, donc le thème était relaxation et musique classique. Et là, je peux vous parler de la marche d'écoute amplifiée de la nature. Donc là, comme l'atelier sensoriel, l'idée était d'aller en forêt avec un dispositif d'amplification des sons et de prêter attention à tous les sons que peuvent émettre la biodiversité de la forêt. Et on peut passer à la slide suivante. Donc on avait également énormément d'activités itinérantes. Donc par exemple, je peux vous parler de nos visites théâtralisées. Les impériales visites guindées, qui est une visite théâtralisée itinérante autour de l'histoire des deux impératrices. Et on peut passer à la slide suivante. Donc un peu de données, donc le coût 40 358 euros pour cette première édition. On a pris le parti de ne pas faire payer l'entrée. La fréquentation, donc 1500 personnes sur le week-end. Rappelons que nous n'avons pas bénéficié de conditions idéales puisque c'était l'exact week-end des grèves des raffineries en France. Et du coup, ce week-end a accusé des pénuries de carburant qui a un peu freiné les visiteurs à venir.
Donc, point positif, grande satisfaction des visiteurs, point à améliorer pour une future édition, donc une communication plus élargie et ciblée. Et nous programmons de reprogrammer cet événement en biennale. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Alexandra qui viendra vous parler du Festival des Corées. Bienvenue Alexandre. Merci beaucoup Marie-Sophie. Bonjour à tous. Le Festival des Forêts est un vieil acteur du territoire puisque nous avons fêté en 2022 nos 30 ans. Et dans cette la démarche d'expérience de découverte de la forêt de Compiègne, elle est dans l'ADN de cette manifestation artistique. Depuis son origine, l'idée étant effectivement de concilier la musique classique et les liens qu'elle peut développer avec la nature, évidemment à travers l'inspiration des compositeurs qui ont largement nourri le répertoire d'œuvres inspirées par la nature, mais aussi parce que depuis l'origine, le festival propose des marches avant les concerts, qui sont des marches qui ont une vocation pédagogique, puisqu'elles elles ont été, pour les premières, guidées par des forestiers, donc qui font découvrir comment vit une forêt, comment elle grandit, comment on l'exploite. Et puis cette marche, au fil des années, nous les avons diversifiées en introduisant des thématiques qui pouvaient être liées au bien-être, des thématiques artistiques. On éduquait les gens au chant, on leur faisait écouter aussi le chant des oiseaux. Et au fil des années, nous avons, avec l'aide notamment de nos partenaires touristiques, travaillé à élargir en fait nos publics, des publics intéressés par la musique classique et par les concerts, des publics venant en famille. Nous avons souhaité attirer un public qui ne soit pas forcément un public de mélomanes, mais un public de curieux. Et dans ces dernières années, et à partir de 2018, un public en attente de déconnexion, de ressourcement. Et il nous semblait que creuser cette voie de l'écoute de la musique et du bain de forêt musicale, c'est-à-dire d'une marche d'immersion en forêt, en s'inspirant des shirinyuku japonais, pouvait être une voie nouvelle de propositions offertes à la fois aux particuliers, mais aussi aux groupes et aux entreprises notamment. Donc, de cette initiative, nous avons créé la proposition dénommée Bain de forêt musicale, qui est une proposition qui dure 3 heures, qui est guidée par un ou une sophrologue et qui est accompagnée de musiciens qui sont des grands solistes, qui se produisent généralement, qu'on croise sur les scènes des philharmonies à plus de 50 mètres, et que là, on va pouvoir approcher, on va pouvoir s'asseoir dans les feuilles au pied du violoncelle, ressentir physiquement et charnellement la musique. Et cette expérience, elle a un succès. On va passer au slide suivant, mais nous le verrons, elle a un succès croissant. Elle a un succès croissant auprès des différents publics que j'ai cités tout à l'heure. Nous inscrire dans cette démarche de développer en forêt de Compiègne à la fois sur l'ensemble de l'année, mais aussi dans leur nature, de nouvelles propositions, était complètement dans la stratégie de notre événement culturel et artistique. Ce parce que nous sommes vraiment liés au territoire, même si le Festival des Forêts est un festival qui est reconnu maintenant nationalement et internationalement pour la qualité de sa programmation.
cité parmi les trophées radio classiques comme l'un des meilleurs festivals de musique classique en France l'an dernier, nous avons toujours cette problématique de rajeunir nos publics, les renouveler et pouvoir développer un pôle d'attractivité sur ce site de Saint-Pierre-en-Chastre que cette démarche Interreg expérience nous a permis d'accompagner comme maître d'œuvre et d'ouvrage l'agglomération de Compiègne. C'est une chance inouïe de pouvoir étendre sur l'année à la fois l'activité artistique. En produisant nos propres propositions, mais également en accueillant d'autres artistes du territoire, en ouvrant les répétitions et le travail de création à un public local, et ce de manière gratuite, en proposant aussi un axe pédagogique, avec sur ce lieu des découvertes qui... Alors, je parle peut-être un peu de l'avenir, je peux avoir un pied dans l'avenir pour être un peu plus brève, avec des lieux qui, avec une mini-forêt pédagogique et un circuit de découverte constitué avec l'ONF, vont pouvoir être proposer une visite permanente sur ce site, un lieu qui soit destiné à des publics tant scolaires que des publics de particuliers, mais également d'entreprises. En effet, le fait de pouvoir bénéficier d'un lieu couvert peut permettre d'avoir un volet commercial afin d'amortir les coûts à la fois d'équipement et de fonctionnement de ce site. Et l'on voit bien que de pouvoir offrir aux entreprises une expérience qui soit celle de l'écoute de la musique et du bien-être, ou celle de la découverte d'un patrimoine historique qui, comme le disait M. Leboeuf tout à l'heure, est particulièrement riche dans notre région, ou d'un patrimoine naturel, constituent trois axes de développement qui sont extrêmement intéressants et qui vont nous permettre à l'avenir de faire de ce site un vrai pôle d'expérience qui s'inscrit parfaitement aujourd'hui, alors dans l'après-Covid, puisque ce lieu il est préservé, il est en forêt. Les aménagements de pistes cyclables, de chemins piétons à proximité encouragent à le découvrir en suivant et en employant de la mobilité douce. Dans ce sens, nous nous inscrivons pleinement en tant qu'événement artistique dans ces démarches de transition écologique. Et nous avons choisi d'intituler notre prochaine édition du festival Schubert, qui est un compositeur de musique classique, à bicyclette, et pour faire un clin d'œil et encourager nos spectateurs à employer à la fois la bicyclette, le covoiturage et les navettes gratuites que nous nous mettons en œuvre, nous avons aussi proposé des concerts avec des artistes qui jouent du piano à vélo, d'autres artistes qui vont proposer des concerts dans les arbres. Donc c'est une manière de préparer l'avenir et d'envisager la forêt avec une expérience souriante et respectueuse de l'environnement dans lequel nous nous situons. Donc, pour résumer, notre participation et le développement de Saint-Pierre-en-Chastre se fera de manière tout à fait partenariale. Hein, je l'évoquais tout à l'heure sur le volet artistique avec d'autres artistes et compagnies régionales. Elle se fera aussi de manière partenariale, bien entendu, avec les collectivités, l'agglomération de Compiègne en tout premier lieu, propriétaire du site, et les collectivités situées sur le territoire de la forêt de Compiègne.
Elle se fera aussi en partenariat avec l'Office national des forêts en développant de nouveaux équipements, un sentier pédagogique, des ateliers que nous proposerons dès cet été où les spectateurs pourront participer à un atelier d'entretien de la forêt et terminer par un moment de musique. Donc, on propose aux gens, voilà, de tester, d'expérimenter la manière dont on entretient une forêt. Et enfin, nous allons, tout à l'heure, Marie-Sophie parlait de l'écoute de la forêt amplifiée, nous associer cette année et coproduire un disque créé par Marc Namblard, qui est un audio-naturaliste qui collabore à beaucoup de projets du Musée d'histoire naturelle et de projets de documentaires. Donc, créer notre premier disque d'écoute de la forêt et qui sera commercialisé dès l'été prochain. Merci à tous. Du coup, nous avons fini la présentation. Merci beaucoup, Alexandra, pour ton intervention. Merci beaucoup. Thank you very much indeed to everyone there in Compiègne for their contributions and their presentations. And I love this idea of a bicycle and somebody playing a piano. Sounds fantastic. So I have to come and visit. Missy, thank you very much. Let's head now next to join Sophie Ribeauchon in Côte d'Amour, who's going to tell us about the project there of autumn and winter experiences. So let's go there now. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Chris. Je suis Sophie Ribeauchon, chargée de développement touristique à Côte d'Armor Destination, l'agence de développement touristique et d'attractivité des Côtes d'Armor. Je vais vous parler d'un événement original, imaginé et créé en 2022 grâce à l'appui du programme européen Expérience, les Minutes Bleues. On peut passer. Voilà, les minutes bleues. Alors, tout d'abord, diapo suivante, s'il vous plaît. Les Côtes d'Armor, pour vous situer géographiquement, donc c'est un département breton bordé au nord par la Manche, où l'on trouve notamment les sites incontournables de la Côte de Granit Rose, avec Perros-Guirec, Paimpol et l'île de Bréa, la baie de Saint-Brieuc, ou encore les caps d'Erquy et de Fréhel, au nord, et bordé au sud par délimité au sud par le lac de Guerlédan et le canal de Nantes à Brest. Les Côtes d'Armor accueillent à l'année 3,5 millions de touristes, ce qui le classe au 17e rang des départements touristiques français. Et l'automne-hiver représentait en 2017 15% de l'activité touristique de notre territoire, et à ce jour, près de 20% en 2023. On peut passer à la diapo suivante, merci. La communication automne-hiver de la destination Côte d'Armor, imaginée dans le cadre du programme européen Expérience, se présente sous forme d'une collection qui s'articule autour de 6 thèmes fondateurs que vous voyez à l'écran. Je vais en citer quelques-uns, notamment l'histoire de France version Bretagne, où l'on peut vivre l'expérience d'une descente en rappel d'un clocher. On peut également vivre comme un local et découvrir l'esprit automne-hiver en Côte d'Armor en testant notamment l'ice swimming, la nage hivernale au pied des plus hautes falaises de Bretagne, hein, les falaises de Ploie. Et on peut également se reconnecter avec la nature en observant les oiseaux migrateurs de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc, comme je vous le disais, en 2022, Côte d'Armor Destination a initié un travail d'accompagnement de 8 sites culturels et de loisirs volontaires pour développer des offres de visite expérientielles en automne-hiver. Cette mission, nous l'avons confiée à l'agence Signe des Temps et au consultant Dominique Hummel. Et ce travail a abouti à la création d'un événement inédit
les Minutes Bleues, pour valoriser toutes ces offres expérientielles ainsi créées et permettre de lancer officiellement le début de la saison automne-hiver en Côte d'Armor. Donc vous voyez ici l'affiche de cet événement. Les Minutes Bleues, c'est un événement... Oui, on peut passer à la slide suivante. Merci. Les Minutes Bleues, c'est un événement qui offre au grand public la possibilité de vivre des expériences de visite surprenantes, inédites et privilégiées dans de tout petits groupes. C'est aussi une autre façon de découvrir les sites du patrimoine culturel et naturel des Côtes d'Armor en petits groupes, en faisant appel aux cinq sens ou en visitant les coulisses de ces sites. Toutes ces expériences ont un point commun, l'heure bleue. L'heure bleue, c'est un instant éphémère entre le jour et la nuit où le ciel se part d'un bleu plus foncé. Et c'est cette heure bleue qui a servi de fil rouge à l'événement. Les expériences ont toutes eu lieu soit au lever, soit à la tombée du jour. Et l'heure bleue a beaucoup inspiré de nombreux artistes. C'est donc un concept fort qui accroche l'imaginaire et qui invite à la rêverie. Cet événement, les Minutes Bleues, s'est déroulé durant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint, du dimanche 30 octobre au vendredi 4 novembre 2022. Et le passage à l'heure d'hiver a marqué le début de l'événement. 8 sites culturels et de loisirs ont participé à cette première édition, ainsi que 3 offices de tourisme partenaires, proposant ainsi 60 rendez-vous répartis sur 6 jours. Je vous propose maintenant de vous faire voyager un petit peu à travers ces quelques expériences proposées lors des Minutes Bleues. Voici quelques exemples. Sur la photo en haut à gauche, imaginez-vous revêtu d'une toge participer à un banquet à la romaine en position allongée, bien sûr. C'est ce qu'a proposé Corio Solis, centre d'interprétation du patrimoine, consacré à l'histoire de la cité romaine de Corseul, à 10 km de Dinan. À la tombée de la nuit, le site proposait à des groupes de 15 personnes de revêtir une toge et de vivre l'expérience d'un banquet à la romaine dans une salle du musée scénarisée en triclinium pour une dégustation aux saveurs de miel, de garum et d'épices, inspirée des recettes du célèbre cuisinier romain Apicius. Je vous emmène à quelques kilomètres de là. Avez-vous déjà fait vœu de silence? C'est ce qu'a proposé l'abbaye de Beauport, dont vous voyez l'image au centre de l'écran, fondée au XIIe siècle, au cœur d'un écrin de nature protégé face à la baie de Paimpol. Un petit groupe de 20 visiteurs privilégiés, le temps d'une découverte sensorielle des lieux au petit matin. Point d'orgue de cette expérience, le groupe était invité à partager un petit déjeuner, toujours en silence, dans la salle capitulaire éclairée par la lumière pénétrant par les 7 fenêtres cintrées. Enfin, troisième expérience, à la rencontre des saints de l'effroi, à la vallée des saints, site insolite rassemblant plus de 170 statues de granit de 3 à 6 mètres 50 de haut, dont vous voyez une statue en photo, sculptée à l'effigie des saints bretons. Le public était convié à une balade étayée de légendes mélangeant stupeur et effroi entre le dragon de Saint-Paban et la silhouette sans tête de Saint-Milieu. La balade se terminait par un instant de contemplation du coucher de soleil sur les statues et la nature environnante. Je vais laisser la parole à présent à Solange de Bagneux du château de Quintin, un des partenaires de cet événement Les Minutes Bleues, afin qu'elle vous présente les expériences proposées par ce partenaire. Alors bonjour à tous, je suis donc Solange de Bagneux, une des habitantes du château de Quintin qui se trouve tout près de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Alors je vais vous le présenter très rapidement, il y a 3 caractéristiques principales à ce site. La première, c'est qu'il se situe en plein centre-ville d'une toute petite cité de caractère de Bretagne, avec donc un fort intérêt touristique et patrimonial. Quintin a d'ailleurs été élu 3e village préféré des Français en 2022,
Donc, c'était une petite fierté pour notre ville. La deuxième caractéristique, c'est que c'est un site chargé d'histoire, puisqu'il comprend deux châteaux, un du XVIIe siècle et un autre du XVIIIe siècle, mais aussi une tour et des remparts du Moyen-Âge. Et tout cela est intégré dans un écrin de verdure des jardins à la française. Et enfin, troisième particularité assez rare, c'est que ce domaine se transmet dans la même famille depuis plus de 800 ans. Donc, c'est un château aujourd'hui familial, privé, mais ouvert au public. Et on a à cœur de partager ce patrimoine avec le plus grand nombre. Et donc, pour cela, on propose toute une collection d'événements, de jeux, de visites, d'animation pour le faire vivre et puis pour prolonger cette longue chaîne de transmission. Donc à l'écran, là, vous découvrez une partie du château du XVIIIe siècle qui est collée à la basilique de Quintin. Voilà, la photo a été prise au moment des minutes bleues, mais c'était un petit clin d'œil du ciel. Là, c'était un peu les minutes roses. Voilà. Le programme expérience a été pour nous une réelle chance. Puisque cet accompagnement nous a donné l'occasion de nous renouveler et d'être inventifs à un moment de l'année qui pour nous est assez creux, hein, la basse saison, comparé à l'été évidemment pour un château. Et donc nous avons créé deux offres tout à fait inédites, des offres intimistes et privilégiées, participatives, et donc je vais vous les présenter. Alors on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît. Voilà, alors la première s'intitule « Dans le secret de nos armoires ». C'est une visite qui est ouverte à tout public, les familles bien sûr, mais pas seulement. Hein, on a eu aussi des adultes individuels. Alors à leur arrivée, les enfants qu'ils souhaitent sont invités à ouvrir une vieille malle remplie de costumes de chevaliers ou de princesses. Et donc ils commencent par se costumer. Je confie ensuite un énorme trousseau de clés à l'un des visiteurs. Et nous partons tous ensemble dans les pièces du château pour ouvrir exceptionnellement ce jour-là les portes des armoires, les tiroirs des commodes, les placards, bref, toutes les portes qui sont habituellement fermées au public. Et donc, chaque fois, à l'intérieur, nous découvrons des trésors que nous présentons de façon inédite. Donc, pour vous donner des petits exemples, dans la salle des archives, je montre une signature du roi Louis XIV. Ou encore dans la salle à manger, je montre des menus très anciens. Dans la cuisine, je montre des objets un peu insolites, des objets de cuisine dont plus personne ne sait à quoi ils peuvent servir, donc il faut deviner leur fonction. Dans les entrées, je montre des animaux empaillés et je déroule une peau de serpent de plus de 6 mètres de long, donc ce qui amuse beaucoup les visiteurs. Donc c'est une visite très participative qui fait appel aux 5 sens. Les visiteurs ont l'occasion de jouer du piano, sur un vieux piano du début du siècle. Ils peuvent battre du lin, ils peuvent sentir l'odeur des vieux livres, ils peuvent faire tintinabuler le trousseau de clés. Et puis dans chaque pièce, les enfants peuvent collecter des images, des objets qu'ils découvrent, et ils les glissent en guise de souvenir dans leur enveloppe armoire qu'ils peuvent ramener chez eux. Et qu'on va venir sceller, fermer à la fin de la visite avec un cachet de cire aux armoiries de la famille, bien sûr, comme ça se faisait autrefois. Voilà pour... Ah oui, et alors la visite se termine par un chocolat chaud et des pâtisseries maison. Et ceux qui le souhaitent peuvent s'équiper d'une petite lanterne avec une petite bougie et partir découvrir le parc à la tombée de la nuit, puisqu'on arrive pile au moment de l'heure bleue. Et donc... c'est une découverte du parc. Voilà. Alors, je vais vous présenter la deuxième expérience qui, elle, s'intitule « Et si les objets racontaient leur histoire ?» Vous pouvez voir des images à l'écran. Alors, c'est un peu le même concept très intimiste avec des petits groupes d'une vingtaine de personnes. Et cette fois, c'est ma belle-sœur Florence qui conduit la visite et elle est accompagnée de deux comédiens qui ont écrit plusieurs scénettes autour des objets de notre exposition. Donc, ça se passe dans une autre partie du château où sont présentés des objets du quotidien, du XVIIIe siècle à nos jours, qui sont donc des témoignages du passé, et remplis de souvenirs et chargés d'histoire. Alors, les comédiens prennent tour à tour le rôle de régisseur, d'une duchesse ou encore d'un majordome. Et donc, ils reviennent du passé pour faire revivre les objets du château et nous renseigner un petit peu sur leur usage
Par exemple, comment manier un éventail, hein, il y a tout un langage très codé sur les éventails, les pots de chambre ou encore toutes les règles de bienséance autour des arts de la table. Donc, c'est à la fois humoristique, c'est aussi un moment de détente, mais c'est aussi un moment, c'est teinté d'histoire et c'est au service de la valorisation de nos collections. Là encore, les visiteurs sont invités à partager un moment de convivialité, puisqu'on leur offre à la fin un apéritif avec un kir breton pour pouvoir échanger avec les comédiens et les membres de la famille qui sont présents. Voilà, donc ces deux offres ont eu beaucoup de succès. On les a programmées du coup à nouveau à Noël dernier, ce qui a aussi très bien fonctionné. On était complet tout le temps. Et donc, c'est une évidence qu'on proposera à nouveau des visites expérientielles en novembre prochain, à un moment où les gens ont besoin un peu de sortir de leur ordinaire, trouver un peu de féerie, voyager dans le temps et puis partager un moment de convivialité. Voilà, je vais vous laisser peut-être mes coordonnées dans le chat. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce type de visite expérientielle au Château de Quintin, en individuel, en groupe ou de façon privatisée, c'est tout à fait possible. Voilà, merci. Et je repasse la parole à Sophie. Merci Solange. Donc, comme vient de l'évoquer Solange, le bilan de cet événement est très positif pour l'ensemble des partenaires. On a accueilli sur 6 jours près de 900 visiteurs, soit un taux de remplissage de 90%. L'enquête que l'on a pu mener auprès des visiteurs nous a permis d'établir un indice de satisfaction de 9,2 sur 10. Les partenaires culturels donc, et de loisirs de cet événement ainsi que Côte d'Armor Destination s'engagent dans une saison numéro 2 de cet événement que nous avons l'ambition d'inscrire à l'agenda des grands rendez-vous de l'automne en Côte d'Armor. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que l'édition 2023 des Minutes Bleues se tiendra du samedi 28 octobre au coucher du soleil jusqu'au dimanche 5 novembre au lever du soleil, avec de nouvelles expériences à vivre et à découvrir de la part de ces 8 partenaires, mais certainement de nouveaux partenaires qui vont venir rejoindre la dynamique. Alors, on peut passer à la slide suivante. Si vous êtes intéressé pour venir vivre l'expérience des Minutes Bleues en Côte d'Armor, toutes ces expériences seront réservables en ligne dans le courant de l'année sur le site internet des Minutes Bleues. Il suffira de taper minutesbleues.com dans votre moteur de recherche. Et pour les agences de voyage ou tour opérateurs qui souhaiteraient proposer une expérience Minutes Bleues dans le cadre d'un séjour à leur clientèle, vous avez ici mes coordonnées pour me contacter. De même, l'agence Côte d'Armor Destination est également à l'écoute de toute opportunité de nouveaux partenariats dans le cadre d'un programme européen de coopération. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention et espérons que l'esprit des Minutes Bleues vous aura inspiré et conquis. Sophie, Solange, thank you very much, both of you. Whether it's blue skies or even pink skies, it looked brilliant. So thank you very much. Merci. Thank you very much. So from Côte d'Armor to Norfolk and to Norwich, and let's join Fiona Roberts from the Love Lights Festival. Fiona. Hi, thank you for having me. Thank you for inviting me to talk about the festival. I'm Fiona Roberts. I'm the creative lead and project manager for Love Light Norwich, which is a 3-day light festival held in Norwich every other February. I deliver this on behalf of Norwich BID, and 2022 saw the second of our Love Light festivals. And we were really fortunate to receive funding from the Experience Fund through Norfolk County Council to support our 2002 festival. Next slide. So, as I said, Love Light Norwich is delivered by the Norwich BID, which is the Business Improvement District organisation. So we're an organisation which is comprised of local businesses working together. Next slide. So the BID works within a defined area of the city centre.
with the intention of improving trading environment and identifying projects that develop the city centre. Next. Our vision really marries with the experience objectives. We're very concerned with promoting Norwich and enhancing experiences and investment in Norwich. And so working with experience to enhance the tourism experiential season, extend the season outside of the normal tourism months was very much in keeping with the intentions of the festival in the first place. We worked with loads of partners, lots and lots of partners. And it takes a lot of partners to deliver a festival of this scale. But what that does is it enables us to engage with such a wide audience of public, but also of businesses and different organisations throughout the region. I think we're going to see a little film next of the festival. Brilliant, thank you. I love that film. So, you saw from the film that there's loads of elements to the festival. So there's a walkable trail of light installations, but also performances, lots of community engagement projects. There's also a commercial offer and a thought leadership symposium, which this year was focused on mental health and the arts. Next slide. So again, we share many objectives with experience, bringing together people into the city centre, attracting off-season visitors to the city, nurturing the economy and providing experiential activities for residents, but also for visitors. And we've also concentrated hard on sustainability and environmental impacts. And actually the next iteration of the festival, that will be the main theme carrying on from this year's work. So we really felt that experience was a great partner for the festival and enjoyed working together. Next. I just wanted to show you some of the feedback that we had. So I've picked out maybe one or two out of hundreds of quotes that we got from the public. This piece was called The Marsh Ponies, which was a piece made for the festival by local artists and draws on the history of the region when marsh ponies were used in industry. And it was a fire performance set in the grounds of our cathedral, which is a spectacular building in the city. Next slide is about one of my favourite parts of the festival. We delivered an emerging arts programme for artists before they've got to the professional level of most of the people who provided the installations for us. So we worked with our local university, Norwich University of the Arts, and provided professional development opportunities for students there. And then from following the professional development training, we selected 7 pieces of work that were proposed by students, and they were given technical and financial and mentoring support in the run-up to the festival, and then became part of the festival, being shown on the same level as the professional artists that we were working with. So to select the work generally for the festival, we held an open call for artists. Work was selected from all over the world. This piece is from an artist in Australia. It was an amazing 3D mapped projection against the cathedral.
but we also had artists from right across Europe, as well as across the UK and locally. We worked with partners across the county, as I've mentioned before, cultural organisations, schools, colleges, business, retail. The slide with the big coloured heart shows a piece that was made during a community project. So it's really important to us that the community get very involved and feel like the festival belongs to them as well. And one of the great partnerships, which was new for us this year, was with Cycling UK, who we were introduced to through the Experience Fund. So together with Cycling UK, we organised a Glow Ride event during the festival. Next slide, please. So we created a route in the city centre park and invited people to decorate their bikes and take part in it. So it was really exciting. We didn't know how many people would come because we'd had terrible weather and nobody really felt like anybody would want to be outside, particularly not on a bike, but it really showed that festivals work when people can take part, and they do turn up and they do take part. Next slide. We did have a programme of entertainment planned around the Glow Ride, and what I was particularly looking forward to was a performance of a cycle ballet, which was a troupe of cyclists all lit up and a professional dance kind of scene with them. But unfortunately, the intended night of the Glow Ride, the festival had to be cancelled as we had winds of over 80 miles an hour and danger of death messages from the government. So we had to cancel that night. Fortunately, we were able to move the Glow Ride to the following evening. And despite really heavy rain, 150 people came out and took part in the event. And then even after that part of the event finished, you could see them cycling around the city for the rest of the evening. So it really added a lot to the festival. And then during the day, Cycling UK, during the 2 days that were left of the festival, Cycling UK ran workshops and invited people to come and bring their bikes, and they did minor repairs for them, but also handed out lights and helped them to decorate their bikes so that they could take part in the ride. It was great having the partnership because we have our own communication channels, and then obviously Experience did and Cycling UK did, so we were able to get the message far and wide, and it was a great opportunity to promote Cycling UK's work with Experience. Community engagement is so important to the festival. We worked hard to identify hard to reach groups in the region, and not just make sure that the festival was accessible for them, but to make sure that they were part of creating work for the festival. This piece was made by a DDEF artist, and he sent a call out to people prior to the festival and asked them to speak the words peace, love and unity, and also to send films of themselves signing the words. And then he created this piece against a wall in Norwich City Centre with the artwork made, taken from the films that he was sent of people signing peace, love and unity, but also a sound piece. So as you walked through the city, you could hear people from the city speaking the words of the piece. So the commercial offer actually extended for a month. It wasn't just over the days of the festival. It included a month-long food trail and with 42 restaurants, Norwich Market, which is a very famous market, I think it's the oldest covered market in the UK, opened their stores in the evening. So we had a nighttime offer from the market. And also we gave businesses grants to decorate their windows, and that helps them, but it also really supports us because it helps to animate spaces that we don't necessarily have the funding or the capacity to deliver ourselves. So that worked really well for us. The festival increased the footfall of the city. If you could put the next slide on, that would be great. By 20,000 people over the 2 days of the festival. So had we had the 3 days, obviously much higher figures, but we were thrilled to have 20,000 additional people coming into the city during the 2 nights. And we created feedback. We gathered feedback and created data from those people that came, and found that 86% of those spent money in our shops and restaurants. And when speaking to retailers afterwards, found out that their business was up by 25% during the festival hours. We spoke to businesses afterwards and asked them
how important it was to them to see the festival return, and how important they felt that the festival was in attracting tourism to Norwich. And they gave us a rating of 4.6 out of 5. So we've got the support of communities, of businesses, and experience really, really supported us to deliver a festival of the scales that we needed to. So my last slide, we just wanted to thank Experience for giving us that support. You gave us the opportunity to deliver a fantastic event. And now we're working hard to gather funds for our next festival, which will hopefully be in February 2024. And one of the things that the funding allowed us to do was gather lots of evidence and materials so that we can go to future funders and say that this is what we can do. If you're able to support us, this is what we can do for the county, for the region, and for UK, to showcase Norwich as a really brilliant place to visit. And Love Like Norwich has an event that will draw thousands of people into the city in an out of season month. And that's it. Thank you very much. Fiona, thank you very much indeed. I was going to let our team of translators catch up because there's a lot of information there, but thank you very much indeed. Fiona, you should be speaking to Sophie in Damore, about the piano on the cycle as well. Some nice collaboration there, if you've not done it already. But thank you very much indeed. Great to see. It's a great images, and as you say, a really great video. So thank you very much. Okay, we're going to skip past our Q&A session because we are running about 10-15 minutes late. But if you do have a question to any of our panelists this morning, you can put your question into that Q&A button on your desktop, on your screen, and the panelists will get back to you with the answers. So we're going to go into a 10-minute break now. So you've got 10 minutes to grab yourself a coffee, stretch your legs, and we're going to be back here in 10 minutes' time, just before 1:30 the hour. So join us then in 10 minutes' time when the conference will continue. Thank you.